Si je pars demain, ça sera la déception, je pense. Mon premier sentiment, ça sera la déception. Je me connais par cœur, je sais que si je vais réagir comme ça, je pense qu'après, avec du recul, si je pars, je mesurerai un peu le parcours fait ici au château et en tirer des enseignements positifs, même très positifs. Donc voilà. Fatigué, content d'arriver au bout de l'aventure. On est content d'être ensemble jusqu'ici. Non ? Ah oui, oui. D'accord, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Un héros. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'ils ont dans la tête, parce que c'est très dur pour deux copains de se battre l'un contre l'autre. C'est comme si deux boxeurs, deux potes faisaient une finale de boxe, quoi. Il faut quand même se taper dessus. Et ça, il faut qu'ils en soient très conscients de ça. Je me demande s'ils sont conscients de ça. Regardez comment se passe le duel. C'est comme ça le duel. Le duel se passe à merveille. Moi, je vais aborder le prime comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire, c'est-à-dire avec... en faisant monter un peu la pression avant, j'adore ça. Et puis tout lâcher ce que j'ai en moi demain. Tout. Vraiment tout lâcher. Tout simplement. Moi, je pensais que c'était fini. Mon pire cauchemar. Moi aussi. Oh, mon titi. C'est mon corbeau noir. Mais... C'est mon titi maintenant, je l'appelle. Tu chantes avec qui? Avec Segara et avec Noël. Tu chantes avec quelle année? Et avec Noël. Non, oui. Je suis pas trop fatigué au niveau de ta voix et tout, sinon ça va. Bah, depuis 2-3 jours, si, mais là, ça va mieux. Heureusement, le programme approche, il faut mieux, quoi. Tu évites, tu connais les histoires, tu évites le chaud et froid. Ouais. Tu évites de sortir les commandaires. Ouais. Tu relâches bien, tu ne penses à rien, tu sais, tout ça, tu le sais. Ta concentration, tu la connais parfaitement. Ouais. Et après, tout ce que... Et je dirais à Hélène qu'elle te fasse monter au ciel. Je l'adore, c'est clair. C'est un mec qui conseille. C'est jamais des conseils en l'air, quoi. C'est vraiment réfléchi ce qu'il peut nous dire. Ça aussi, c'est une super rencontre. Un mec comme ça, je veux dire, il y en a pas des tonnes. On a fait un peu un résumé de ces 3 mois et ça m'a beaucoup touché, cette discussion qu'on a eue. Au début, vous chantez une fois tous les 36 du mois. Là, avec les dents sur du lèvre, tous les trucs d'interprétation pour l'instant. D'accord. T'es extrêmement fatigué, tu vas avoir la pression de la demi-finale. Cool. Comme j'ai besoin de me rassurer là parce que je l'ai pas encore fait. Musicalement, t'envoies tout ce que tu veux, mais tu sais, c'est 80%. 80% on répète. Ok. Et tourner des rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurais faire. Avec le cœur, mais comme c'est Céline Dion en plus, c'est ce qu'il aime, et là il part. Ouais, c'est que ce soit n'importe quoi, mais c'est vrai que là c'est vraiment son univers, et donc c'est un univers, c'est faut regarder ce qu'il a dans les yeux, et c'est clair qu'à le regarder, et la question se pose même pas. Faut le fixer, et on comprend tout.
Bon, il y a des endroits où j'ai quand même pas envoyé à fond, donc... Je pense que j'ai fait comme Mathieu m'a dit, je me suis mis à 80%. 80%, ça veut dire quand même... envoyé quand même. Donc, je me suis fait mis dans le rouge. Ah ouais, j'ai envie d'accélérer le temps. Demain, t'inquiète pas, profite-en du temps que t'as. Dors bien, repose-toi bien. Après, mien, t'as pas. Toi, tu veux pas faire en dessous de 100%. Je l'aurais dit que j'avais fait 80%. Non, ça va être. J'ai pas été, t'as l'impression que tu donnes à 80%, mais tu donnes toujours à 100%. Mais j'étais pas à fond. C'est même pas un défaut, c'est pas une qualité, c'est un défaut de qualité en fait. Mais c'est vrai qu'il va falloir que tu apprennes à te ménager, surtout sur la tournée. Tu vois, je te jure que je me suis ménagé. Là. Franchement, regarde-moi dans les yeux, tu t'es ménagé? Dis-moi, je me suis ménagé. Bah, à 80%, ça veut pas dire se ménager quand même. Pour moi, t'as tout donné, mais si tu veux, c'est avec l'expérience, il va falloir que tu apprennes à lever le pied en répétition. On a un prime difficile, avec pas mal de chansons interprétées, qui sont superbes en plus. Donc... on peut pas se rater, quoi. On peut pas se rater. Puis surtout, si je serais amené à partir ou rester, peu importe. De toute façon, j'ai envie de le réussir, ce prime. Donc forcément, je vais mettre de la pression.